va danser, présenter ce spectacle sans public, puisque nous sommes encore frappés par l'impossibilité d'accueillir du public jusqu'au 15 décembre. Mais nous avons justement inventé un moyen, en inventant comme on peut, avec des artistes comme toi, qui ont accepté aussi de danser ou de jouer ou de dire des poèmes ou d'être en tout cas présent dans cette relation. Oui. Alors pour toi, est-ce que c'est pas quelque chose finalement quand même un peu étrange qu'on va essayer là ? C'est étrange, mais je trouve extraordinaire d'avoir cette idée de danser pour des gens qu'on ne voit pas, mais qu'on peut imaginer. Parce qu'à l'École des Sables aussi, nous avons fait ma technique online. Je ne voyais pas le public, mais les élèves, mais j'imaginais. Parce que j'ai beaucoup d'imaginaire dans ma technique aussi et tout. Et donc, il faut que j'imagine que les gens sont là, même si c'est des caméras. Mais j'ai l'habitude de danser, comme je dis, pour mon plaisir. Et quand on a du plaisir pour soi, on donne du plaisir à l'autre. De tous les êtres animés et doués de pensée, nous sommes, nous autres femmes, l'espèce la plus misérable. D'abord, il nous faut acheter à prix d'or un époux et trouver un maître à notre corps. Et ce second mal est encore plus cruel que le premier. Le plus difficile, c'est de le choisir en distinguant le bon du mauvais, car il nous est impossible de répudier notre époux. Quand le mari est fatigué de la vie domestique, il sort et va trouver remède au dégoût qui emplit son cœur. Mais nous les femmes, nous ne devons avoir Dieu que pour un seul être. Ah non, non. Je veux partir, c'est ça. Partir. Tu as tout remis ailleurs. Eh bien, va-t'en si tu as tout remis ailleurs. Va-t'en. Je vais quitter ce pays. Je vais tuer mes enfants. C'est horrible et nécessaire. Je dois commettre ce crime. Prends le couteau. Prends le couteau du Halopo et marche. Prends le couteau. Prends le couteau et marche. Prends le couteau. Prends le couteau et marche. Prends le couteau. Prends le couteau et marche. 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 Vous étiez sur la scène pour le spectacle, oui. À un endroit au début, oui. Un spectacle qui retrace non seulement votre vie, mais qui aborde aussi certains thèmes de la vie en Afrique, la place de la femme, oui. Mais également le repère culturel, est-ce que les Africains qui sont partagés entre l'Afrique et l'Occident, mais également le phénomène de l'immigration. Oui. Donc pour moi, en tant qu'artiste et en tant que ma vie personnelle, ça a été transcrit par un livre que mon père a écrit. Et j'ai travaillé avec Michael Serre, qui est un jeune metteur en scène français. Et comme je suis assez universelle, en étant spécifique à l'Afrique, c'est ce qui est important. Ce livre, il m'a aidé à accoucher de l'histoire de moi-même, de mon père, en ce qui concerne le colonialisme, l'animisme, la religion chrétienne, la religion musulmane, et tout le rapport que nous avons aux esprits, aux ancêtres. Et je dis toujours que il faut garder nos racines. Quand tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Et c'est important de garder ses racines pour aller au-delà.